Allez, c'est parti pour une petite expérience avec des cartes. J'ai ici un petit jeu de cartes, de 52 cartes différentes, toutes mélangées, d'accord? Regarde, ce qu'on va faire, tu vas prendre le jeu comme ceci et tu vas le couper à peu près à la moitié. Voilà, donc tiens, tu vas prendre le paquet que tu as coupé. Et regarde bien, tu vas prendre les cartes donc face en l'air comme ça et tu vas les faire défiler une par une comme ça, tout doucement, vraiment. Et dès qu'il y en a une, plus qu'une autre qui t'attire, tu t'arrêtes. Vraiment celle de ton choix, c'est toi qui t'arrêtes où tu veux, tu choisis la carte que tu veux. Vas-y, vas-y, tu peux le faire, vas-y, tu passes sur la table. Vraiment, s'il y en a une en particulier qui t'attire, tu t'arrêtes dessus, celle que tu veux. Celle-ci. Donc là, tu vois, tu t'es arrêté sur le 6 de carreau ou le 10 de cœur. Laquelle tu veux choisir entre les deux? Le 6 de carreau. 6 de carreau, tiens, on va la dégager, on va la mettre juste ici. On est d'accord que tu aurais pu choisir n'importe quelle carte avant le 6 de carreau. Oui. Donc toi, tu t'es arrêté sur le 6 de carreau. On va quand même vérifier dans le reste du jeu qu'il n'y ait pas un deuxième 6 de carreau. Non, hein, ça va, hein, pour l'instant il n'y en a pas. Là non plus, non. Ici non plus, on va quand même vérifier dans le reste. Toujours pas. Hein. Toutes les cartes sont bien différentes. Et pas de deuxième 6 de carreau, il n'y en avait vraiment qu'un seul. Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui t'a fait que tu t'es arrêté sur le 6 de carreau? Pourtant, regarde, si tu regardes le dos de la carte, c'est la seule carte rouge avec écrit dessus. Choisis-moi, alors que toutes les autres cartes sont bleues.